Et coucou mes t-shirts, j'espère que vous allez bien. Du coup, je suis arrivée au centre de formation. On est le 9 mai et je suis en train de préparer le café. J'ai pas pu vous prendre avant parce que j'étais en retard. Je me suis levée à 7h30. Je prépare le café. Je suis Madame Café. J'ai passé un bon week-end. J'espère que vous aussi, du coup. Je vous ai pas pris lundi parce que lundi, j'ai fait mes montages vidéo, etc. etc. Je vous remercie d'être là parce que vous regardez, peut-être vous commentez peut-être pas, mais vous regardez mes vidéos, donc je suis contente. Et aujourd'hui, je crois qu'on a auto-formation ou maths, je sais plus, il faut que je regarde. Je vais vous emmener avec moi. Je vais vous faire voir ce que je vais faire parce que si on a auto-formation, je vais faire un projet pour une de mes formatrices qui a une inspection au niveau du conseil régional et justement lui faire une surprise d'un PowerPoint pour la valoriser et faire en sorte que son travail soit reconnu et que la médiation culturelle ne soit pas enlevée du coup de la formation parce que là elle était en stand-by. Voilà, donc je vous reprends tout à l'heure, je vous fais des bisous, à tout à l'heure. J'aime bien. Pour rigoler un peu. Ils ont un côté spontané que nous, on perd après. Hein. Je suis appréciée. Du coup, je viens de rentrer à la maison et je viens de recevoir un colis que j'ai commandé sur Vinted. Donc, il est bien emballé et tout. Je vous mets sur pause et je vous reprends. Donc, en gros, j'ai commandé la deuxième palette de la marque REM, de la marque de Ariana Grande. Et du coup, je l'ai eu à 10€ sur Vinted. Je vais pas réussir à l'ouvrir toute seule parce que les ongles sont très durs à manier avec les ongles. Non, voilà, je dis n'importe quoi. C'est très dur à ouvrir avec des faux ongles. Donc, hop. Du coup, c'est la deuxième palette dans les teintes marron. J'espère qu'elle est pas cassée. Hop. Je vais tester. Et du coup, ouais, elle est en super bon état. Ah, elle est trop belle. Elle est trop belle. Ça fait que j'ai les deux. J'ai les deux maintenant, donc je suis trop contente. Voilà, c'est juste un petit défaut de fabrication, je pense, sur le côté droit, là. Mais bon, c'est pas grave, je vais faire attention, mais je suis trop contente parce que franchement, la qualité, elle est ouf. Donc voilà, ça, c'est Vinted. Et ensuite, j'ai fait une commande chez LCO Beauty que je vais vous faire voir. J'ouvre la boîte et je vous reprends. Donc, du coup, j'ai reçu une commande que j'ai faite sur LCO Beauty. Donc, vous voyez, le logo, il est là. Donc, c'est un small business. C'est de... sur TikTok, mais vous la connaissez sûrement, c'est Marina des Curiosités d'Opaline. Du coup, je lui ai fait une deuxième petite commande. Voilà. Sur ses conseils. Bon, alors ça, j'ai horreur de ces trucs-là, mais c'est bien parce que ça protège super bien. Donc, je vais les enlever, je vais les garder. Je fais une pause et je reviens quand tout est enlevé. Donc, du coup, en attendant ces nouveautés, sur son site, je lui ai pris de la marque Favor Beauty, c'est une poudre de fée. Alors, elle m'en a vanté les mérites ainsi que une autre copinote. Donc, je vais tester pour voir ce que ça donne. Ensuite, elle m'a conseillé ce savon. Alors, je crois que je redemande en quoi je peux l'utiliser. Mais ça doit être marqué là, peut-être. Non, c'est à l'envers. Donc, c'est un savon. Et c'est fait main. En tout cas, il est en mousse comme ça, je pense. Donc, c'est pareil, je vous en reparlerai prochainement. Et là, j'ai pris un gloss, un blush, pardon, de la marque Grabella. Parce que j'ai bien aimé la couleur. Donc, je vais essayer de l'ouvrir. Si j'y arrive. Tiens, Jaja, viens voir maman, s'il te plaît. Ah non, c'est bon, j'ai réussi. C'est bon. Hop. Je l'ouvre. Avec les faux ongles, c'est pas évident. Hein. Donc ça ressemble un peu à ceux de Shiglam, c'est le même packaging, sauf qu'il y a marqué Grabella, voilà. Et du coup, je vais essayer de l'ouvrir et de vous faire voir la teinte.
Alors, elle est comme ça la teinte. Je vous fais un swatch et je vous l'inclurai dans la vidéo. Donc, merci Marina pour le colis. Super bien emballé, à petit prix. Franchement, foncé. Et du coup, en cadeau, elle m'a mis un petit eyeliner noir, je pense. Oui, de la marque Black Liner, de la marque Denona. Donc moi, je connais pas trop la marque Denona. Donc je testerai, je vous en reparlerai en vidéo. Mais en tout cas, je suis trop contente. Et ensuite, j'ai reçu un autre colis. Je vais vous faire voir ça de suite. Ma maman a offert à ma petite Jaja un ensemble de chez Zara. Donc le haut, il a coûté 7,95 €. Elle va l'essayer. Je mettrai pas sa tête sur la vidéo, mais je vais vous faire voir ce que ça donne en vidéo quand même, ou en photo plutôt. Du coup, c'est un petit haut avec un col comme ça, avec des petites bretelles. Et du coup, on a le pantalon qui est comme ça. Et en bas, il est long sur le côté intérieur et plus court sur le côté extérieur. Et le bas, pardon, a coûté, je vais vous dire ça, bah il y a plus l'étiquette, c'est bizarre. C'est Janelle qui a dû l'enlever, mais je sais pas où elle est. Donc bah écoutez, je vous dirai à combien il était, mais en tout cas, il est trop trop beau cet ensemble. Je vous inclus la photo sur la vidéo. Et coucou mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 10 mai. On est mercredi, je crois. Ouais, mercredi. Et du coup, ben là, je pars en formation. Et je vais vous faire voir un peu le centre de formation et tout ça. Et vous expliquer un peu tout ce qu'on fait là-bas. Voilà. Donc, je suis arrivée en salle de repos. J'ai pris mon petit tasse avec mon ancien nom de chaîne et mon effigie. Bon, elle est un peu plus mince que moi, mais bon, on m'avait fait ce logo-là, il est trop beau, donc voilà. Et du coup, j'ai fait le café, il est en train de passer. Et du coup, ce matin, bah, comme je vous disais, je vais essayer de faire un... Putain, ma coiffure, elle est partie en vrille, mais c'est pas grave. Je vais essayer de faire un PowerPoint, parce que j'ai pas encore commencé. Et du coup, je me suis attachée les cheveux avec un foulard. Et du coup, je vous montrerai comment je fais en vidéo. Alors, c'est surtout pour cacher mes cheveux blancs, parce que là, il y en a beaucoup. Et j'ai pas eu le temps de me faire ma couleur. Du coup, c'est un peu compliqué. Donc là, ce matin, je vais attaquer le PowerPoint. Et je vais voir comment je vais faire pour inclure les photos, les textes, etc. Voir ce que je vais mettre. Faut que je réunisse toutes les photos dans un album sur le PC, etc. Donc voilà, je vous ferai voir un petit peu comme hier pour la poterie avec l'argile ce qu'on a fait, ce que j'ai fait. Voilà, allez, à tout à l'heure. J'ai fait plaisir aux filles, j'ai fait pizza Domino's. Miam miam. Voilà, j'ai enlevé mon foulard de ce matin. Là, il y a un petit côté soleil. Angeline et moi, on va se faire épiler les sourcils parce que la dernière fois, on n'avait pas pu le faire. Donc là, voilà, elle est là. Il faut toujours qu'elle fasse. Bah, je suis comme ça, je sais pas, j'avoue. Je sais pas, comme ça, je suis... Donc voilà, et puis après, je vais aller toucher mon loto parce que j'ai gagné 13 euros au loto. Voilà. Déjà sortie, elle a fait une épilation au fil, ça a été rapide. Excusez-moi, il y a les pompiers. Les aléas de la vidéo. Et du coup, Angeline aussi. Trop sympa. Et moi, voilà. J'ai plus qu'à redessiner, mais franchement, au fil, trop bien. Et propre, parce qu'elle ne le met pas dans sa bouche. Donc, parce qu'à l'époque, quand je le faisais, elle le mettait dans sa bouche. Quand j'habitais sur Paris, je trouvais ça dégueulasse. Et là, c'est avec ses doigts, elle a des gants et tout. C'est vraiment propre. Franchement, je suis trop contente. Je suis même pas rouge. Et c'est trop bien fait. Voilà. Mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 11 mai et du coup, je suis déjà au centre de formation. Ouais, je sais, il est tôt, mais j'avais des trucs à faire avant. Et du coup, là, ce matin, on a maths et cet après-midi, on a français. Donc, je vais vous faire voir un peu ce que je fais avec en formation, comme d'hab. Aujourd'hui, je porte le NYX comme ceci de chez. Bah, c'est le Fat Wall. Et c'est la teinte That's Chic. C'est la plus foncée, je crois, dans les bordeaux roses. Bref. Et du coup, ah bah, ils ont mis l'affiche pour les portes ouvertes à l'entrée que j'ai fait. Trop, trop bien. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc là, c'est moi et affiche que moi j'ai créée. Et en fin de compte, il y a une porte ouverte à la REFEP le 23 mai entre 10 h et midi.
Et l'adresse, c'est l'Art Eiffel, 33 rue Louis Braille. Pour ceux qui sont du Nord, franchement, vous avez la possibilité de faire une formation Léa ou DVE, où vous allez pouvoir étudier, quoi, réviser et réapprendre les français, mathématiques, informatiques, le projet professionnel, les activités culturelles, le stage en entreprise et l'écologie. Et donc, c'est avec le Conseil régional des Hauts-de-France, du coup. Et voilà, ça, c'est la fiche que j'ai faite. Du coup, je suis en train de préparer le café. Et du coup, je suis arrivée au centre de formation. Et il y a une porte ouverte le 23 mai à mon centre de formation. Donc, c'est mardi prochain. Donc, c'est bien, vous aurez la vidéo à temps. Je vais la poster samedi. Et du coup, vous avez l'opportunité de faire une remise à niveau en français, maths, informatique. Et puis peut-être anglais à la demande. On vous donnera des exercices, etc. Et voilà. Et donc vous avez Léa qui remise à niveau français maths. Et vous avez DVE. DVE, c'est pour le projet professionnel, pour déterminer ce que tu veux faire, préparer tes entretiens, préparer le CREA. C'est une certification. Vous avez des stages aussi, deux stages. Bref, franchement, si vous voulez vraiment aller dans une formation remise à niveau qui est vraiment bien, il faut venir à la REFEP, quoi, à l'OS. Vous pouvez passer par Pôle emploi, par la mission locale, par le CIG, pour les jeunes, je crois. Et franchement, c'est top. Vraiment top. Ils sont super. Moi, en français, j'ai vachement évolué. En plus, on tombe avec des personnes qui sont super agréables, multi-ethnies. Franchement, c'est juste un centre de formation au top. Voilà, je vous le conseille. Bref, là, je suis en train de préparer le café. Donc, du coup, c'est les stagiaires qui ramènent le café et le sucre, les filtres et tout ça. Je reviens, hein, je mets l'eau dans la cafetière. Et du coup... Chacun notre tour, on ramène un petit peu tout ça. Moi, j'ai ramené du régilet. Donc, j'ai ramené du régilet et du sucre hier. Il y en a qui ramènent du café. Moi, il faut que je ramène du café, bien évidemment. Et du coup, on a le droit de se faire du café et tout. Ils sont assez, assez souples et assez sympas. C'est ce qui fait le bon fonctionnement de cette formation, du coup. Et c'est ce qui fait que on apprécie aussi les formateurs qui sont toujours à notre écoute. Et pas que, même quand on a des petits soucis personnels et tout ça, ils sont quand même à notre écoute. Chose que tout formateur ne ferait pas. Donc voilà, c'est super important de nos jours d'avoir des formateurs à l'écoute, parce que c'est pas toujours le cas. Donc voilà, il fallait que je fasse une aparté par rapport à mon centre de formation, parce que franchement, il est bien. Et quand il y a des choses qui sont bien, et faut le dire. Voilà. Hop, le café il tourne, je vais sortir le lait, donc lait en poudre, hein. Le sucre il est dans une boîte de lait en poudre, ouais, voilà, donc voilà, voilou, je sais plus ce que je voulais vous dire, je vais préparer ma tasse, et du coup aujourd'hui petit make-up vert avec une palette de chez Colourpop. Et le rouge à lèvres, c'est NYX. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je suis pas sûre. Hop, j'ai ramené ma tasse. Je vais la préparer. Ah oh là là, punaise. Oh, putain. J'ai pris une ancienne tasse que j'avais fait avec mon ancien logo. Et voilà. Donc autrement, tout va bien. Franchement, là à la maison, je suis en train de faire du gros tri. Je me cadre même pas bien. Je fais du gros tri. Je fais du rangement et tout. Et voilà. Il faut savoir que la formation, je la fais. Et en même temps, je cherche quand même du travail. Au cas où, hein, si je venais à trouver un travail, je le prendrais. Donc j'envoie beaucoup de CV aussi et de lettres de motivation. Dans les hôpitaux, dans les cliniques, tout partout où il y aurait un accueil. Voilà, un accueil. Donc voilà, de toute façon, je vous reprends tout à l'heure pour la suite de la journée. Voilà. Donc du coup, j'ai décidé de faire un livret pour ma formatrice de médiation culturelle pour un événement assez spécifique. C'est un livret surprise et du coup,
Voilà ce que j'ai créé avec les activités que l'on a fait depuis décembre 2022, depuis que je suis arrivée là-bas. Donc c'est super sympa. Donc voilà, de la broderie, un portrait chinois. Là, c'était la cathédrale d'Amiens où on a été, les ortillonnages. Ici, j'ai pas fini parce qu'il manque des choses, mais c'était plus les couronnes de Noël végétales. Et puis là, c'est l'entrée, quoi, l'entrée du livret. Voilà. Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 13 mai et du coup, je suis avec Angeline. Et on va au Geek Days avec Manon, donc on va au Geek Days, pardon. Et on va la rejoindre au bus. Du coup, je vais vous emmener avec nous. Et je pense que ça va être super sympa, non? Comme le samedi dernier, quoi. Voilà, encore une belle journée avec Manon. Voilà, j'espère trouver des petites choses, voilà. Concept store qui s'appelle Aju et c'est à la Gambetta et du coup c'est sur le monde kawaii coréen etc. Je suis avec ma fille et moi et on a pris un strawberry milk et puis j'ai acheté des petites choses que je vous ferai voir après et je vais essayer de filmer quand il y aura moins de monde pour voir le concept. Bon, là on est dimanche et on se promène un petit peu et on fait un peu de course au niveau de Carrefour et au primeur, voilà. Du coup, j'avais reçu quelques petites choses cette semaine et j'ai oublié de vous les faire voir. Donc j'ai reçu ma box Emma et Chloé, je vais vous faire voir ça de suite. Et j'avais commandé un agenda Wonderlife, Monsieur Wonderful, pardon. Un grand jour commence juste ici. J'en avais commandé un pour moi et un pour ma belle-fille. Ils étaient en promotion à 11 euros au lieu de 20 et quelques. Donc bon, ça a commencé depuis janvier, hein. C'est pas grave, on est en mai. J'écrirai et je vais coller des petites choses à l'intérieur. Hein. Et du coup, ça se présente comme ceci. Donc ça, je vais l'enlever. Mais il faut savoir qu'ils font plein de choses. Là, il y a des stickers. En général, j'en prends un tous les ans parce que j'aime beaucoup leur agenda. Et je vais marquer toutes les petites choses que je fais à la journée, etc. etc. Là, c'est encore des stickers. Et là, vous avez marqué plein de petites choses. Salut, salut, qui va là? Là, on a les plannings de la semaine. Donc ça, c'est bien pour marquer mes heures de cours.
pour le moment que je suis en cours. Ici, on a les rêves pour en faire un grand projet. Et ici, ça commence. Et voilà, c'est une journée par page. Donc ça, c'est top. Donc là, on a mai. Là, on a juin. Non, là, on a mai. Voilà, donc là, je vais mettre là. Je sais même si on a la moitié du mois. Donc après, ça va jusqu'à novembre, décembre même. Décembre, hop. Voilà, puis en haut, il y a des petites phrases comme ça. Et à la fin décembre, alors vous avez les moments de mois, des pensées est arrivées. Vous avez, alors, excusez-moi, je ne vais pas dans le bon ordre. Donc ici, on a l'agenda 2024. On a le numéro à composer pour ces appels qui égayent ta journée, ton mois, ta vie. Donc là, c'est un répertoire téléphonique. Du coup, ici on a les moments de moins dépensés est arrivé. Donc là, voilà, tout ce qu'on économise ou pas, si tu as envie de le faire. Ensuite, ici c'est la même chose. Non, il y a marqué je note tout ici pour ne pas avoir à bloquer la fin du mois à la fin de mon argent. Hop, j'investis dans mon bonheur. Ici on a je prends note. Là, on a des notes. On en a plusieurs même. C'est très coloré. Et voilà, ici, on a des petits stickers qu'on peut réutiliser sur les notes, etc. Donc ça, du coup, dans ma box Emma et Chloé, ce mois-ci, franchement, je suis super ravie de ce que j'ai eu. Donc c'est une box à 25 euros, toujours et encore. Vous savez, je suis abonnée depuis des mois et des mois maintenant. Et je partage mes bijoux entre moi, mes filles, et puis des fois, ça peut être des cadeaux à faire à mes copines quand le bijou, je l'ai déjà, ou c'est quelque chose qui me correspond moins. Et là, du coup, j'ai eu deux bracelets, deux mailles différentes, et franchement, ils sont juste magnifiques. Et les deux valent 79 euros. Donc quand vous savez que j'ai payé la box 25 euros, ça vaut le coup. C'est en acier inoxydable, ça ne bouge vraiment pas, et bah du coup, j'aime les deux. Donc c'est juste génial. Ensuite, j'ai eu 20 tirages gratuits de la marque Shears. Donc ça, je vais les utiliser. Et là, on a le petit fascicule de Shears. Donc quand je vous dis qu'il coûte 79 euros les deux, c'est parce que c'est affiché là. C'est bien noté. Hop, prix public, 70 euros, pardon. Voilà, c'est les deux. Voilà. Et on a le petit édito. Alors ça, c'est super sympa. Hop. Et je vais vous faire voir après ce que j'ai acheté au... J'ai acheté, mon mari m'a offert aussi des baskets. Donc là, vous voyez, on a les bijoux portés. Alors, le collier, par exemple, les colliers qui sont là, je les ai. Les boucles d'oreilles qu'elle porte, je les ai. Ben, j'ai un peu tout ce qu'il y a dessus. Sauf le bracelet en forme de serpent, là. Mais j'ai pas mal de choses déjà. Donc là, il y a la On Craque pour ses trois comptes Instagram. Voilà. Dessine-moi une famille dans les baskets d'une maman. Et là, je vais essayer d'ouvrir si j'y arrive. Parce qu'avec les faux ongles, c'est pas facile. Donc là, on a quoi? On a tes avantages abonnés. Donc les avantages abonnés, c'est 10% sur tous nos bracelets avec le code. On a 30% sur nos box cadeaux. Et on a une box précédente achetée, une box offerte. Et toujours les frais de port offerts à partir de 30 euros. Là, c'est ce que je vous ai dit. La collab du mois, c'est Shears. Il y a toujours une collab. Et ici, on a des petits styles vestimentaires. Donc, c'est la chronique mode. Et franchement, des fois, il y a des styles super sympas. Comme là, effectivement, je trouve que c'est sympa. Moi, ça, je peux pas porter. C'est bien dommage parce que le style est vraiment super mignon. Et ici, franchement, moi, j'aurais pas mis un haut noir. J'aurais mis plutôt un haut en couleur camel pour aller avec les petits sabots. Mais franchement, le look est super sympa. Voilà. Du coup, j'en ai donné un à Angeline. Le voici porté. Et moi, j'ai mis le deuxième ici. Voilà. Ça, c'est les croquettes ou les pâtes. J'en sais rien. Mais voilà. Ils sont jolis, hein. Voilà. Mère et fille.